Merci. Nous sommes dans le cadre de la transition énergétique. Avec cette urgence climatique, il est toujours nécessaire de rappeler et que chacun peut porter à sa mesure. Notre schéma directeur est la feuille de route de notre transition énergétique avec des objectifs de baisse des consommations, de baisse de la part des énergies fossiles et d'augmentation des énergies renouvelables. Un des partenaires du schéma directeur est GRDF, donc Gaz Réseau Distribution de France. C'est l'entreprise de distribution de gaz dans le réseau qui appartient à la métropole. Et GRDF distribue le gaz dans 31 de nos communes. Le but de cette convention cadre de 3 ans est de formaliser nos relations de partenariat pour la transition énergétique. Il y a beaucoup de sujets de collaboration. Je vais n'en citer que quelques-uns. L'évaluation de l'usage des compteurs à gaz communicants pour contribuer aux baisses de consommation d'énergie. La conversion de systèmes de chauffage polluants vers le gaz donc dans les secteurs qui s'y prêtent. Donc c'est surtout le fioul. Le développement du gaz vert avec la méthanisation des déchets comme c'est fait à Aquapol et aussi avec la méthanation. La méthanation donc, qui permettra d'obtenir du méthane à partir de conversion de gaz carbonique avec interaction de l'hydrogène. Et puis le développement de l'usage du gaz naturel comprimé par les véhicules. L'objectif est la qualité de l'air et en pratique, ce sont nos bennes à ordures qui vont abandonner le diesel. Enfin, il y a les actions qui concernent la précarité énergétique. Voilà en résumé le sujet de cette convention.